Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3, un futur retrouvé. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer et finir ce raid, j'espère. En tout cas, hop, c'est parti. Tadam, 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 chute frontale. Chute, éjection de flanc. C'est Rex qui prend cher. Ouais, là, c'est Rex qui va prendre cher. Ok, on va faire ça. Comme ça, il explose. Même s'il lui reste plus de points de vie, les autres, ils prennent l'explosion. Ils sont assez proches, normalement. Voilà, du coup ça leur fait masse de dégâts. Allez, on va se concentrer sur un seul. Déséquilibre, chute frontale. Ça n'a pas suffi, mais il est mort. Médecin d'élitagnien, ok, ça c'est pas mal. Hop. Waouh, il a pris cher là. La sentinelle. Gloire à nos troupes. Il en reste un. Puis l'autre. La merde. J'ai loupé un ennemi. Tuer le raid. Il est où ce con? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Je vais lui en louper un. Juste là. Ah bah il y a... On n'avait pas vu le panneau. Bon ça va, si c'est juste un poteau, a priori il devrait pas nous emmerder. Hein. Il va pas nous faire de dégâts. Ah. Le encore shot. Vas-y. Paf. Et boum. Double spinning. Le double spinning, hein, toujours. Allez-y. Avant-poste agnien, 15 PE. Bah, ça valait le coup. Allez, on va continuer l'histoire maintenant. C'est ici que provenait le SOS. Passons la zone au peigne fin. Ouais. Allô, let's go. Aucune trace de l'utilisation d'un pouvoir d'Ouroboros. Plein d'empreintes de pas en revanche, mais elles ont toutes l'air de venir de bottes de l'équipe de recherche. Et sinon, rien d'autre. Il doit bien y avoir une trace des réfugiés. Oh si, il y a quelque chose, mais c'est bizarre. C'est-à-dire, il y a des traces qui mènent jusqu'ici, et aucun signe que quelqu'un ait quitté les lieux. Tant conclu qu'ils sont morts sur place. Oh, pardon. Ouais, Rex. C'est pas tout à fait ce qu'il faut dire quand même. Non, mais elle n'est pas morte, ta sœur. Elle n'est pas morte. J'espère. Ah, sacré carnage quand même. Oh non. Celles qui vont voir leur grand-père se faire planter. Ah non. La pauvre. Ah mais c'est la nouvelle cité qu'ils ont pété du coup. Celle qu'ils ont délocalisée, pas celle où ils étaient eux. Ah, c'est eux qui nous ont cramés. Vraiment. Et voyez, qu'est-ce que je disais? Je savais qu'ils allaient débarquer. Faisons les poches à leurs cadavres. On va bien bouffer cette semaine. Oh putain. Il va s'énerver la petite. Ouais. Stylé ses armes. ça les fera pas revenir. Hein. Alors que ta maman, elle aurait pu. Hein. Peut-être pas. Peut-être pas. Pourquoi? Enfin, ta grand-mère, pardon. Pas sa mère. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille? Parce qu'il s'amuse de vous voir souffrir. C'est la base du sadique. Pourquoi on traîne ces gens avec nous? Bonne question pour le coup. Arrête un peu Naël. Matthew. Tu sais pourquoi. Tu le sais parfaitement. Ouais, mais certains d'entre nous étaient des soldats. Pense un peu à eux. Ça n'a aucun sens. Naël. On n'a pas fait assez. On aurait pu rester juste entre nous. Mais à la place, on continue. Maintenant, Shira est morte. Certes. Bah, les deux points de vue s'entendent et c'est compliqué de choisir. Naël, t'es là? Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Laisse-moi. Mais non. C'est ton seul allié quand même. Hein. Avec ou sans les Mobius, rien ne changera jamais. Au final, les gens s'entretuent tout le temps. Les soldats faisaient encore partie du cycle. Je suis sûr que quelqu'un les contrôlait. Ça m'étonnerait. J'ai pas vu d'Iris rouge. Bande de sauvages, ils ont buté Shira pour rapiller une misérable poignée de jours. Arrête, ils ne sont pas tous comme ça. Matthew, toujours au pays des rêves. Quoi? Tu peux pas rendre heureux tous les gens du monde. Ça ne peut pas rentrer dans ta caboche, ça. Tu n'es pas perdu tant qu'on garde espoir. T'as oublié ce que nous disait grand-père. Alors vas-y, montre-moi. Ce monde de paix où personne n'aurait besoin de crever. Montre-le-moi. Tu t'en crois capable, hein? Tu penses que t'en as assez dans le ventre? Bah, ça a mis du temps, hein. Xenoblade Chronicles 3, c'est pas arrivé non plus. Hein. Eh ben, pas moi. Je suis à bout. T'entends ce que je dis? Puis tu vois Noah et Milo derrière. Tu te dis, mais c'est la suite? Pas du tout. C'est pas les mêmes. Tu fais quoi? Ça n'a aucun sens. Et puis si, mais en même temps, non. On n'a encore aucune certitude qu'elle soit morte. Même les empreintes, si ça se trouve. L'escarmouche de l'équipe de recherche n'a aucun rapport. D'un point de vue rationnel, je suis d'accord. Le truc, c'est que... dans mon fort intérieur... j'aime pas ça du tout. T'aimes pas quoi? Ces fichus corps qu'on se trimballe. Sûrement à devenir des dépouilles comme ces soldats. Mais non, nous on se volatilise tout simplement. Aucune trace que d'elle. Je comprends ton malaise. Mais garde courage. Je sais, je sais. Mais autant eux, on sait qu'ils sont dans le troisième jeu. Quelque chose pour vous. Le repas est servi, je t'ai gardé un morceau. Autant les autres, non. Viens, tout le monde se régale. Je ne suis pas déprimé, vous savez. Ah. Non, bien sûr que non. C'est pas du tout ce que je sous-entendais. On fait juste une petite fête. Rien de tel qu'une petite fête pour favoriser les bonnes relations, hein. C'est une idée fixe chez toi. Enfin, merci quand même. La question c'est... qu'est-ce qu'ils vont advenir d'eux, là? Trop de questions, pas de réponses, mais en même temps, on va aller les chercher, ces réponses. Ils seront probablement encore là dans le futur. Ils seront encore probablement là dans le futur. On espère. On verra bien. Ça sert à rien de terroriser, pour le moment on va juste profiter de l'histoire. Matthew. Tu ne voudrais pas nous en parler? De ta sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Naël? Enfin, je ne veux pas te forcer. Non, c'est bon. Alors, ça remonte au jour où la cité est tombée. Il y a les trucs de l'origine du coup. Les soldats des brumes, des Mobius. J'ai l'impression que c'est lié, ces trucs, c'est chelou, hein. Qu'il y avait dans le premier jeu. Ah, toujours là, lui, hein. Matthew. Grand-père, occupe-toi de Naël. L'avenir. Grand-père, tout repose entre tes mains, Matthew. Ah ouais, le grand-père, il était pété quand même. Hein. C'était le fils, il se fait buter par son père, c'est atroce ça quand même. Hein. Quand je suis revenu à moi, j'étais tout couvert d'éraflures et de bleu. C'est Hay qui m'a remis sur pied. Après m'avoir trouvé au cours d'un de ses périples. Apparemment par hasard, oui bien sûr. Dit-elle qu'elle voit le futur. D'accord. C'est pour ça que... Non, il n'y a pas que ça. C'est aussi à cause de lui, ce salaud de Mobius. Je lui tordrai les coups de mes propres mains. Bah du coup non, j'en fais le serment. Du coup on sait que c'est pas le cas. Puisqu'il est encore, dans le, 3. T'as pas tellement changé, je trouve. Tu veux dire que je lui ressemble? J'avais remarqué. Alors pourquoi cette apparence? Logos était la personnalité masculine. Et Pneuma, la personnalité féminine. Ontos était censé occuper une position intermédiaire. Ensemble, ils formaient le processeur Trinity. Tout ça se tient, suivant mon avis. C'est Ontos donc ça va du coup. Je vois. C'est l'équivalent de Pneuma. Matthew est au courant. Non. Et d'Alvis. Donc entre Alpha et toi, que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous séparés? Ce n'était pas prévu, à moins que ce soit Alvis. Que ce Mobius et cet homme possèdent un tel pouvoir. Ah, c'était dans le grand-père du coup. Par chance pour moi, cela a brisé les chaînes qui m'attachaient à Ontos. Les chaînes. Comme vous le savez sans doute. Et ça doit être particulièrement évident pour toi, Shulk. L'origine est basée sur l'architecture du noyau d'Ontos. Ok. Oh bébé Shulk. Ah, il a trouvé ça lui. Enfin Shulk du coup quand il était gosse. Enfin quand il était dans le premier jeu quoi. Oui, Melia m'en a parlé. Un cadeau d'Alvis d'après elle. Ontos faisait office d'arbitre. Ok, c'est le rouge du coup. À ce titre, il dépendait de l'existence. Et peut-être plutôt des opinions. Des deux autres, Logos et Pneuma. En un mot, sans les deux autres, à ses côtés, Ontos n'était qu'une machine. Mon moi d'origine, c'est Klaus qui l'avait modelé. Et c'est lui qui a supporté la charge de ses regrets, à peine venu au monde. C'est pour ça qu'il a pu vous aider. Ok, donc ça c'est Klaus. Mais il n'est plus là. Le moi qui subsiste n'est qu'une machine. Les machines n'ont aucune empathie. C'est pourquoi il a entrepris d'anéantir ce monde. Alvis donc. Ou Klaus, afin de modeler une autre future, du débris du passé, un bruit de fond qui perdure dans le présent. À ses yeux, vos vies n'ont plus d'utilité. Sa conclusion est que seule la vie nouvelle, celle des résidents de la cité, est digne d'être préservée. Ontos s'est rebaptisé Alpha et a décidé d'embarquer pour un nouveau monde, en amenant avec lui les résidents de la cité, tout en anéantissant l'ancien monde. Sauf que l'intervention de N a compromis ses projets. Ah, et ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Quoi qu'il en soit, j'ai pu me séparer d'Alpha. Souviens mon périple avec toi, ainsi qu'une myriade de vagues réminiscences. C'est cela qui compose mon identité. En d'autres termes, je suis sa conscience. Je comprends que dalle. Donc ceux qui disent cette conscience, ou peu importe comment on l'appelle, c'est qu'aucune vie ne mérite d'être laissée de côté. Toute vie est digne d'être sauvée, si je comprends bien. Oui, c'est l'idée. Je pense que si Logos ou Pneuma étaient là, ils diraient la même chose. Elle est où, Pneuma? Et Logos, c'est qui? Oui, très certainement. Je me rappelle pas avoir rencontré Logos. Et donc, pourquoi tu traînes avec ce gamin? T'as bien avoir une raison. Pour avoir une influence sur ce monde, Alpha a besoin d'un corps qu'elle puisse occuper. Oui, tout comme Zanza a un jour vécu en toi. Et la sœur de Matthew. Ah. Ah ben la voilà. Coucou. Elle s'est bien transformée en Ontos du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ce vent. Là-bas près du lac. Je comprends pas quand même grand chose. Il y a les Trinités, je sais qui est Pneuma. Mais du coup, ça c'est Naël hein, évidemment. Mais qui a été fusionné avec le Christ au cœur. De l'équivalent Pneuma du coup, si j'ai bien compris. Je suis venu te chercher, Matthew. Viens, il est temps de s'en aller. On va sauvegarder là je crois, oui. Et le troisième, le violet, c'est qui? On l'a jamais vu. Ah, c'est celui de Malos? C'était celui de Malos? Il y en avait deux dans Xenoblade Chronicles 2? Ça me paraît bizarre, non? C'est possible, hein? Enfin, celui d'Ontos, non. De Logos. Oui, c'est ça, Logos. Logos et Pneuma. Les deux venaient de Xenoblade Chronicles 2. Et le troisième, le rouge, il était du coup dans Xenoblade Chronicles 1, puisque c'est Shulk qui l'a récupéré. Hein. Ok, ok. Et là, du coup, N, il l'a buté, le grand-père, et du coup, le rouge, il est allé dans Naël, mais ouais, pas entièrement, et ça a créé A, quoi, c'est ça? Et c'était du coup Alvis. Slash Klaus. On est bien d'accord que le cheveu bleu, là, dans le premier, c'était Alvis, hein, c'est pas Klaus. Quoique, il s'appelait Klaus. Non, Klaus, c'est le scientifique. C'est avec un K, ça. C'est Klaus avec un K, je crois, le scientifique. Alors que là, c'est Klaus avec un C. C'est vrai qu'il s'appelait Klaus. Non, il s'appelait Alvis. Il s'appelait Klaus. Il a deux noms. Je sais plus. Je suis perdu. Bon, on va sauvegarder. C'est pas bien grave. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est pourquoi il n'y a pas, Mythra, Pneuma, enfin Pneuma du coup. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que si c'est l'équivalent des rouges là, enfin du rouge et du violet, il n'y a plus Logos. C'est étrange. C'est étrange. On est dans le passé là, hein, ouais. Enfin non, oui, dans le passé du présent du passé quoi. Vous m'avez compris. Oula. Ça sort d'où ces trucs? Pelis Diaston, niveau 1. Ok, très bien, on change complètement de chapitre. On va jouer avec Naël. Non, je peux pas jouer avec Naël. On repart dans le gameplay du passé. Je sais pas d'où elles sortent ces bêtes de l'ombre là, mais... Et l'origine, il a été fait avec le corps de... Bah de Logos, c'est ça? J'ai oublié ce qu'il m'a dit. Ou d'Ontos, justement. Ça n'a pas cohérence, c'était Ontos. À moins qu'on est dans son monde, c'est pour ça. Pff, je suis perdu. Tout va bien, Naël. Oui, ça va. On va suivre quand même l'histoire, mais je suis un peu perdu. C'était quoi au juste ces trucs? On aurait dit des trophions Mobius, mais pas tout à fait. Matthew, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, Oren. T'inquiète, tout va bien. C'était les Mobius? Non, c'est un nouveau genre de monstre. On les a battus et ils se sont volatilisés. Faut pas nous faire peur comme ça. Vu que t'avais dégainé ton pouvoir Ouroboros, j'ai cru que c'était un Mobius. Arrête de dire n'importe quoi. Ça doit faire 15 ans qu'on s'est plus tapé dessus avec les Mobius. Ouais, c'est vrai. Et les terres, ça en est où? Ça c'est grâce à Shulk et Rex qui ont fait un pacte du coup. Avec Z, je crois. Impec. On a rempli notre quota, visiblement. Si on rentrait. Naël. Et du coup, c'est peut-être Pneuma rouge, Ontos, Christ au cœur rouge, là, qui a, je sais pas, on va dire capturé Rex et Shulk pendant la période Noah. Ah, c'est là qu'elle le découvre aussi. Ils sont très stylés ces cristaux. Envolons-nous vers un nouveau monde. Ça, c'est Alvis qui parle. Faisons nos adieux à l'ancien et accueillons le nouveau. Ça correspond à ce qu'elle voulait, elle, donc en même temps. Naël. C'est quoi ton problème? Grouille-toi. Oh, pardon. J'arrive. C'est Naël qui a foutu la merde, en fait. Bien joué. Bon, en vrai, sous l'influence de Alvis, mais... Naël, qu'est-ce que tu fabriquais là-bas? Hein? T'avais l'air totalement dans la lune. C'est pas ça. Matthew. Qu'y a-t-il? Matthew, écoute. On a besoin d'un coup de main ici. C'est un peu la pagaille. Des Wolfs, hein? Ils sont plus qu'on le pensait. Pas de répit pour les braves. Entendu, j'arrive. Vous vous rejoignez sur l'île de Daedal, c'est ça? C'est ça, merci. Elle allait te parler. Du coup, elle ne va pas te parler. Apparemment, elles sont aux prises avec des wolves. Il faut que j'aille les sortir de là. Bon sang, de plus en plus. Et tout ça, c'est à cause de ça. Je te retrouverai plus tard. Et voilà. Du coup, elle s'est séparée de lui. Elle n'a pas pu lui parler. Elle va faire une connerie. Bravo Dylan, c'est de ta faute. Comment esquiver le problème? Bon, j'ai pas tout compris. J'espère avoir eu l'essentiel. Je peux pas le répéter en boucle quand même. Ah. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Voilà, plus de 10 ans qu'Alpha s'est emparé de l'origine. Ce soir, il a l'intention de se montrer enfin. Tant que l'origine est entre les griffes d'Alpha, ma volonté ne peut s'étendre au-delà de ces murs. J'espère que tu sauras saisir cette opportunité. Là, c'est Z par rapport à N, du coup. C'est Alpha qui a pris l'origine. Donc Alvis, quoi, on est bien d'accord. C'est quand même épée de l'aboutissement. Toi qui nie le destin et rend son essence volatile. Quels complots ont pu te mener entre les mains de cet homme? Je vois que l'origine est emplie de désirs de ceux qui sont les égaux des dieux. C'est très perturbant. Très perturbant. Dites-moi que je suis pas seul à pas avoir tout compris d'un coup. Hein. Il y a trop. Il y a trop en fait. Les premiers jeux, il y a tellement trop d'infos que je peux pas tout retenir. Et là, il y en a encore plein de trop. Il faudrait faire les trois en même temps et il faudrait faire 200 heures de jeu en même temps. C'est pas possible. Retour au présent. Naël, j'ai cru que t'étais morte. Quel soulagement. Je suis pas sûr que... qu'elle est encore bien vivante. Hein. J'ai bien cru que je l'avais perdu pour de vous, ce coup-là. Pas tout à fait dans son état normal. C'est quoi ces sapes? D'où sortent tes fringues aussi bizarres que... Non, Matthew. Ce n'est pas elle. Hein? C'est pas Naël, mais bien sûr que si. Tu la reconnais pas? Ah, mais bien sûr. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais rencontrée. Attends, je dois avoir une photo. Matthew, regarde-moi. Ce n'est pas Naël que tu as devant toi. C'est elle en partie, mais pas entièrement. À l'intérieur, c'est Alpha. Hein? Tu vas pas t'y mettre aussi, hey. C'est quoi cette histoire? Mais c'est qui d'abord, cette Alpha? Je piche que dalle. Merci Matthew. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite. Tout le monde t'attend, Matthew. Une petite minute. Naël, d'accord? Je crois qu'il se passe un truc vraiment louche, là. Alpha est sorti de nulle part. Un beau jour. Avec l'intention d'anéantir ce monde. Rex et moi, ainsi que Z, nous sommes battus contre Alpha. Pour sauver le monde de ses griffes. Ils ont perdu... C'est là qu'il a perdu un bras. La puissance d'Alpha est sans égale. Il a perdu un œil. Tous nos efforts sont révélés vains. Même notre puissance cumulée n'est pas suffisante à le repousser. Au final, tout ce qu'on a pu faire, c'est gagner un peu de temps. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont perdu leur bras et leur œil. Après cette frustration en combat, Alpha a compris. Il s'est rendu compte qu'il lui fallait quelque chose pour décupler sa puissance. Un avatar. Et c'est Naël, son avatar, Matthew. Le jour où la cité est tombée, Naël n'a pas simplement disparu dans la confusion. En réalité, elle est devenue le réceptacle d'Alpha. Tu restes là sans rien faire, toi? Non. Arrête, hey, pas toi aussi, j'en peux plus. J'en ai marre de ces fadaises. Arrêtez d'inventer des conneries, on t'expliquera plus tard. Pour le moment, il faut que tu la passes à tabac. Mais ça n'a pas marché. Enfin, la passer à tabac, façon de parler. Si c'est encore possible, il faut qu'on libère Naël. Et si ça l'est pas, dans ce cas, il va falloir t'accrocher, petit. Mais t'es pas sérieux? Tu te dresses sur le chemin de notre vision. Naël, qu'y a-t-il de si merveilleux, ce monde? En fait, tous ces vols par pur égoïsme, cette cupidité. Dans ce monde, la vie ne vaut pas un clou. C'est ça ton monde de paix? Elle est le cristaux vert. Hein. On n'a pas besoin de pas vrai, Matthew. Réponds. C'est la glimmer, elle va peut-être briller. Tu me déçois, franchement. Je ne pense pas que tu rejoindrais leur camp. Mais non, c'est juste que... Ça suffit. Nous partons sans toi dans ce cas. Naël, adieu, mon frère. Pour quelqu'un qui veut défendre la vie aussi, j'ai l'impression que tu t'en fous bien, hein. Naël. Parce que si pour accomplir ce que tu veux, tu dois buter ton frère... Respecter la vie en massacrant tout le monde, c'est quand même un petit peu du foutage de gueule, madame. En fait. Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça. Hein. Ta-da, la, la. Ça serait pas étonnant que Glimmer, elle fasse quelque chose. Déjà, niveau 31. Non, mais surtout, elle a le Christ au cœur de Pneuma, en fait. Et on voit pas Rex. Rex, il est censé la voir, hein, également. Et où est-elle, Pneuma? C'est pas normal, c'est pas cohérent. Il me faut une explication de pourquoi elle n'est pas là. Ta la la. Bon, ils ont utilisé la musique, hein, évidemment. Je vais pas dire l'une des meilleures du jeu, mais on n'est pas loin. Hein. Bah non, Nicole. Ok. Nos tanks prennent cher là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de déséquilibre malheureusement. Ok, un peu de heal, ça fait plaisir. Un nouveau lieu, le lac de Raguel, merci. En plein milieu du combat. On va pas déséquilibrer. On n'y arrivera pas. Hein. Je sais pas si on doit tout buter, mais ça va être chaud. Hein. Ce sera pas dans cet épisode en plus. Ouais, ça dans le prochain. D'ailleurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.